Putain, j'ai peur. Ah, mais il y a des moments où quand même, il faut pas appuyer. On prend des thèmes dans la gueule. Même en live, on se prend pas autant de thèmes dans la gueule. Allez, salut tout le monde, c'est Reltuchat et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de Mario Kart 8 Deluxe. D'ailleurs, je vais juste allumer mon ventilateur pour que le bruit ne soit pas trop perturbé, enfin, pour qu'il y ait un minimum de bruit parasite. Écoutez, je suis très content pour se retrouver pour l'épisode numéro 6 de mon Let's Play sur Mario Kart 8 Deluxe. Désolé, j'étais en train de monter, enfin de descendre le son. Et pendant que mon truc, il pète un câble aussi. Donc, écoutez, aujourd'hui on va... Donc, je sais pas où on s'était arrêté dans les précédentes vidéos. Je sais pas. Hop, on va voir. Donc, on s'était arrêté, ben on va voir tout ça. Grand Prix, je sais... Ah, ben, attendez, on avait fait aussi... Ben, je crois qu'on avait fait à moitié, non? Non, on n'a pas fait à moitié. Donc, on avait pris LL. Ben, écoutez, on va prendre la moto. Et j'aimerais bien prendre la moto Ilien. Je l'ai pas débloquée encore. Non. Mais j'aimerais bien, moi, prendre une petite moto. Tranquille. Pas besoin de... Voilà, alors, écoutez, on va directement, donc, dans la précédente vidéo, on avait fait la coupe étoile, souvenez-vous, donc, on avait fait Aéroport Azur, l'Oregon Tourbillon, Club Mario et des Saintes Givrées, et aujourd'hui, on va s'attaquer à la coupe feuille avec, comme circuit, Stade Mario, donc, repris de la DS, Royaume Sorbet, repris de la Nintendo GameCube, la piste musicale, repris de la 3DS, d'ailleurs, c'est le circuit préféré de Mr. Bowling, et Valley of Yoshi N64, je crois que c'est le circuit le préféré de Candy, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus. Je crois que c'est lui. Hein. Mais je crois que c'est Candy, oui. C'est son circuit préféré. Bon, je me corrigerai si c'est pas vrai. Donc écoutez, on y va, reprise de la Nintendo 64. Je suis désolé, enfin, peut-être si vous voyez pas beaucoup, je parle pas beaucoup parce qu'en fait, je suis actuellement très content d'un truc. Donc c'est pour ça que, en fait, dans ma tête, ça travaille. Mais bon, écoutez, hein, on va essayer de se concentrer un petit peu. Hein. On va essayer de se donner. Le meilleur de nous-mêmes, en essayant de faire de bonnes performances. Donc le stade de Wario, donc repris de la DS, première course de la coupe numéro 6. Ouais, écoutez. Ah d'accord, donc cette moto elle a l'air sympa. Ok d'accord. Le temps qu'on s'est habitué à la moto, hein. De toute façon, ok d'accord, bon non, ça va, elle est pas très très difficile non plus quoi. En fait, c'est à peu près la même mécanisme que la... Donc, pas comme la Bacon Bowser, mais un petit peu quoi. Oh l'enculé de trucs. Je me suis mangé le... Qu'on s'appelle? Les flammes. Ah merde. En fait, là, ça va être horrible avec une moto. Pour le moment, je me suis pas... On va dire professionnalisé avec une moto. Enfin professionnalisé, expertisé on va dire plutôt. Putain, je voulais lancer en arrière, il me l'a fait lancer en avant ce con. Ouais, parce qu'avec une moto, on va dire que vous avez vu. Non, vous savez quoi? On va changer de véhicule. Parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est un petit peu la merde. Vraiment, c'est un petit peu la merde. On va directement changer de véhicule. On va mettre un kart parce que cette moto, j'essaierai de la manipuler, je sais pas comment. Je sais pas comment je vais pouvoir parce que vu que c'est une... Non, je me ferai une partie dessus. Enfin, par exemple, j'utiliserai en gros une autre sauvegarde, en gros. Donc, je me créerai un autre compte et j'utiliserai une autre... Enfin, j'utiliserai mon ancien compte pour utiliser la sauvegarde pour l'unique et bonne raison que là... Là, c'est plus possible quoi. C'est vraiment plus possible. Là, la vitesse et voilà. Parce que vraiment, je vous dis, sinon on va pouvoir s'en sortir comme ça. Donc, on va directement prendre un kart. Ça va être largement mieux. Avec une moto, j'essaierai de me professionnaliser un petit peu, même voir peut-être expertiser. Déjà, bon, mieux expertiser avec une moto.
Je sais pas quand, mais parce que vu que là je vais tourner des vidéos à la suite, je sais pas quand je vais pouvoir faire ça, mais en tout cas je vais essayer au mieux de me personnaliser, non, me professionnaliser. Voilà. Parce que là il y en a vraiment besoin. Il y en a vraiment vraiment besoin. Allez, écoutez, on y va. Donc, ouais, bon, bon départ, et on a grillé tout le monde. Alors là, oh, c'est largement mieux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, parfait. Alors également, hein, il y a plein de différences avec Mario Kart 8 de base. Hein. Vous avez vu, c'était bleu, bleu. Enfin, c'était à peu près la couleur du logo. Là, maintenant, c'est plus la couleur du logo, c'est il est gris, le tracé du circuit. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Ils auraient dû certes rajouter bah, du bleu, enfin la couleur du 8 de Mario Kart 8 Deluxe, mais bon. Écoutez, que voulez-vous? Ah, oh, putain, il fallait pas que je la lâche. En fait, je veux prendre d'autres items parce que je me dis que peut-être. J'aimerais bien voir le klaxon parce que là, je sens une connerie en fait. Je me dis, je sens une connerie. Ah, ben regardez pourquoi je sentais une connerie. Alors là, c'est kit ou double. Donc là, c'est la merde. À part si j'arrive à temps. Non, j'arrive pas à temps. Non, c'est pas possible. Parce que j'allais dire, peut-être sur le turbo, j'arriverai à temps pour l'esquiver, mais là, ça va être impossible. Je ne suis pas arrivé à temps. Et encore 50 cm3, je sais que c'est un peu difficile de l'esquiver. Oh non, sur le turbo. Oh, mais sincèrement, quoi, vous me donnez une banane. J'aimerais bien, en fait, un klaxon, parce que je serai beaucoup plus protégé. Ok, alors là, je me mange tous les items. C'est bon, ça a recommencé la malchance, comme dans les précédentes vidéos. On peut pas être tranquille hein, dans Mario Kart de base, dans presque pas dans tous les Mario Kart parce que ça serait mitonné. Mais vraiment dans beaucoup de Mario Kart, c'est devenu un peu n'importe quoi hein, le nombre d'items qu'on se balance à la gueule pardon. Depuis ben, Mario Kart 8, ça a commencé déjà un peu à partir en vrille. Hein. Se manger tous les 2 minutes des items dans la gueule, ben oui, ça vraiment à partir de Mario Kart 8 où ça a commencé un peu à être n'importe quoi. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce que ça, je trouve que ça casse un peu le rythme. Merde, ça casse un peu le rythme de la course, mais bon, écoutez. Ah putain, mais j'y reviens pas quoi. Que des pièces quoi, sincèrement. Je sais qu'il y a une astuce également, on peut poser une peau de banane pile sur le. Enfin, il y a une peau de banane pile sur le slot où il y a des items. Oh, mais tu te fous de la gueule, hein, le jeu? Bon, au moins, il n'y a pas de carapace bleue qui vient, donc c'est bon signe. Parfait! Bon, bah écoutez, on est premier, de loin même, donc t'as fait déjà 15 points au total. On va continuer. En tout cas, c'est quand même assez fou. On avance, on progresse. Même si on pouvait trouver mieux, mais on progresse au moins. Coupe feuille, donc Nintendo GameCube Royal Sorbet. Donc voilà, donc un circuit qui me réussit pas particulièrement, mais qui j'estime, enfin que je trouve une certaine sympathie. Donc oui, donc moi c'est pas un circuit qui me dérange le plus quoi. On va dire, il y a pire comme circuit. Alors je sais qu'il y a deux chemins. Donc je pense que je vais prendre les deux pour vous montrer un peu. Donc déjà il y a ce chemin là. Ah putain, mais ça s'appelle du foutage de gueule. Ah non, c'est bon. Elle m'a même pas suivi la carapace rouge. LOL. Hop, on va prendre le double item. Hein. On sait jamais. Ok d'accord, alors ça glisse trop. C'est vrai que ce circuit ça glisse un petit peu trop. Hop. On tourne. Oh putain, c'est la merde sur ce circuit. En fait, c'est ce qui me plaît pas sur ce circuit, c'est qu'on glisse trop. Regardez, je vais viser là un item et ça va prendre l'autre. Oh, c'est bon. Ça m'a bien pris lui. Oh putain. Alors là, on peut également passer en dessous, mais il est beaucoup plus préférable de passer au-dessus. Ah merde. Alors attendez, on va faire un truc. Oh putain. Je voulais en fait, pile au moment où je me prends la bombe, bah, prendre la carapace bleue. Donc en fait, je m'aurais pris la bombe et ça m'aurait fait perdre largement moins de temps.
Mais bon, le jeu n'a pas été trop clément avec moi. Mais ça me fait chier parce que j'arrête pas de me choper des carapaces bleues là en ce moment. Je crois pas pourquoi dans ce jeu là, je me. Vraiment, hein. Je sais pas si c'est. Parce que je trouve dans Mario Kart 8. Donc Mario Kart 8, pardon. Mario Kart, je me mangeais pas autant de. Oh oui, oui, de mieux en mieux, double combo. Ah putain, quoi, merde. Bon, c'est bien. Le truc qui est bien, c'est que j'ai pas pris. Ça m'a pas fait perdre de temps, on va dire, l'éclair. Enfin, vous voyez, non, quand vous prenez un objet. Vous avez l'animation où le kart se casse un peu la gueule et tout quoi. Mais là j'ai pas eu l'animation parce que je me suis pris. On va dire que ça a touché pile la fin de mon invincibilité. Ah nickel. Alors là, le klaxon, je vais le garder. C'est très très important. Oh putain. Oui. Yes, je peux esquiver la carapace rouge. La carapace rouge de base, elle prend le chemin initial. Et vous regardez, la carapace bleue, elle arrive. Alors ça, si c'est pas bon. Ça, si c'est pas beau, ça. Donc oh putain, l'enculé m'a volé. Non. L'enculé m'a volé le klaxon. Non, c'est une blague. Oh l'enculé, quoi. Oh putain, l'enfoiré. Oh, c'est vraiment un enfoiré. Hein. Il m'a volé l'item, quoi. Pile au moment, il y a la carapace bleue, comme par hasard. Ah oh, putain, ça, des fois, ça peut être frustrant, je vous le dis. Ça peut être tellement frustrant. C'est vrai que dans ce jeu, ça va être chiant avec le bout. Hein. C'est l'item chiant hein, que je trouve. Tu vois, sur la DS, il me faisait bien chier. Alors là, j'imagine pas. Hein. Ouais, nickel. Alors là. Bon, je vais garder ça, on sait jamais. Allez, on y va directement. On va Harmonie prendre un chemin différent. Bah écoutez, on finit premier encore, avec quelques petites difficultés, mais bon, on finit premier encore. On a 30 points, donc on est à la moitié du GP. On fera une course hein, après contre la montre, après avoir fait le GP, comme d'habitude, hein, on fait le 150 cm3 et le 200 cm3, on va essayer de battre le développeur. Je sais pas du tout où je m'étais arrêté, par contre, je sais vraiment pas du tout, donc on verra. Piste musicale, donc repris de la 3DS, donc le circuit préféré de Mr. Bowling, d'ailleurs, dédicace à toi. Hein, ça fait longtemps d'ailleurs que je t'ai pas reparlé, faudrait que je te reparle, faudrait que je reprenne contact avec toi. Parce que voilà, il y avait que les autres membres du FODES et d'anciens Hooper.fr, mais bon. Ouh putain, alors là j'ai eu un. Je crois que j'ai de l'âge, on pourrait pas faire mieux quoi. J'ai eu un. Oh non, mais sincèrement, alors là je vais manger une carapace rouge, tu les couilles, non? C'est chiant ça par contre. Hein. Hop. On évite de se manger tous les trucs. Parce qu'on peut faire des figures sur les trucs, mais ça fait perdre du temps. Allez hop. Donc là, on va essayer de prendre un petit item. Ça serait pas mal. Et là, regardez, on peut sauter directement, voilà, vous avez vu? Alors, en fait, ça fait un sort de tremblement de terre hein, quand on saute, et donc, en gros, on peut faire une petite figure. Donc là, on a le klaxon, et j'espère que je ne le perdrai pas comme on a pu perdre l'autre. Alors, j'ai fait un peu le con. Donc là, j'ai deux items qui protègent. Donc, en fait, si j'ai une carapace bleue, ben, j'ai un item qui protège la carapace bleue. Si j'ai une carapace rouge, ben, j'ai un item qui me protège de la carapace rouge, plus la carapace bleue. Donc, je vais garder ces items précieusement. En fait, c'est un peu long. Je vous jure que 50 cm3, j'ai l'impression de marcher comme un escargot. Mais pour le 100%, je suis un petit peu obligé, les amis. Hein. Oh l'enfoiré, quoi. Oh l'enfoiré, quoi. Putain, pile au moins, j'ai le klaxon. À tous les coups, il va y avoir donc une carapace bleue. Oh, ça fait chier, ça, par contre. Alors là, comme ça, c'est un con sur le mangera dans la gueule. Ah merde, j'ai mal appuyé. Parfait. Donc, c'est parti. Oh putain, j'ai les mains encore mal pris. En fait, il faudrait que je le prenne un petit peu plus. On va dire un petit peu plus droit. On va dire ça comme ça. C'est pas très français, mais bon. Ok, d'accord. J'ai une pièce. Un item qui me sert encore à rien. Bon. What the fuck? Ok, d'accord, ça c'est... Ok, va comprendre, les plantes ont changé un peu d'endroit. Allez, hop,
Bon, prends le double item parce que c'est hyper important. Ok, d'accord. Mais imaginons. Non, ça m'étonnerait qu'on peut pas avoir double deux pièces en même temps. Bon, qui dit? Je sais pas. Donc là, j'espère qu'il se passera aucune connerie parce que je veux garder quand même mes 10 pièces hein, pour l'élément de personnalisation de véhicule. Ça me ferait chier. Allez, allez, allez. On se bouge. Parfait. Oh oui. Alors là, je l'ai magnifiquement pris. Alors là, on peut pas faire aussi un parfait. Là, j'ai vraiment été parfait. Alors là, rien à dire. Putain, je vais choquer maintenant. Donc, troisième circuit de la coupe feuille, ben, fini. Donc, on a terminé. Donc, maintenant, on va s'attaquer au dernier, à la dernière course. Et avec, en espérant de la réussite. Donc, la Valley View Sheet, la Nintendo 64. Donc, le circuit préféré de Candy, si mes souvenirs sont bons. Donc, Candy, hein, dédicace à toi. Donc, son circuit préféré. Et c'est la dernière course du GP. On est déjà à 16 minutes, donc on est dans les temps. Ah merde, j'ai pas du tout fait un bon départ. On va éviter qu'ils prennent la suite parce que... Hop. Je crois que c'est celui-là, l'endroit le plus optimal. Ah bah attendez, en plus, la carapace rouge... T'as cru m'avoir, toi? Oh oui! Bon, à part si on me le vole, bien entendu, mais bon. J'espère qu'on me le volera pas, quand même, parce que c'est un peu chiant. C'est un tout petit peu chiant. Je vais juste prendre des pièces, parce que là, j'aimerais bien atteindre les 10. Merci. Oh, what? Ouais, oh là là! Alors ça s'appelle de la chance. Alors, j'ai pas eu de chance en même temps, mais j'ai eu de la chance. En gros, oui, donc, ouais, j'ai eu de la chance, parce que, heureusement, il a lâché pile au moment l'éclair. Parce que, perso, après... revenir en arrière pour prendre un autre item, moyen quoi. Alors là, il y a une carapace bleue, donc on est dans la merde. À part si j'arrive à avoir... Je sais pas, non, j'arriverai pas. Donc je vais les poser. Ah, bon. Donc au moins j'ai une carapace verte pour me protéger. Ou pas. Non, si pour me protéger, je vais les buter pas maintenant, parce que là pour le moment ça me sert un peu à rien. Donc j'ai 5 pièces, 6 pièces. Oh oui. Alors là, parfait, on peut pas tomber mieux. Pouah, les deux champignons d'un coup là. Alors là, j'ai de la chance. Peut-être un petit dernier, non, ça m'étonnerait. Mais au moins, j'en ai un. Enfin, j'en ai eu deux. C'est bien, pour le. C'est parfait. Alors là, on peut pas changer de... Non, on peut pas changer de... Comment ça s'appelle? Non, on peut pas changer d'item. Ça serait bien qu'on puisse changer d'item. Ça aurait été normal, normalement. Dans Mario Kart Double Dash, on pouvait le faire, ça. Sur GameCube, changer d'item. Non, on peut pas changer d'item. Ça, c'était pour freiner, donc... Allez comprendre. Bon, bref, on va dire que c'est normal, d'accord, on va dire que c'est normal. On va pas s'incliner plus. Ah, d'accord. Enfin, nous avons une autre pièce. Donc là, je suis pas la prise d'un autre éclair ou d'une carapace rouge, voire peut-être d'une carapace bleue. Donc, enfin, j'espère pas, mais bon. Ah, bon, ok. J'ai une peau de banane pour me protéger. On va la garder un petit peu jusqu'à la dernière ligne d'item. Hop, là, c'est la dernière ligne d'item en espérant que ça va bien se passer. Ah, d'accord, j'ai un klaxon en espérant que je vais pas me faire voler si une carapace bleue. Mais bon, vu qu'on est à la fin de la course, même si j'aurais une carapace bleue, j'aurais eu le temps. Parfait. Bon bah écoutez, on finit la course. Nickel. Bon bah écoutez, on a fini le GP. Alors là, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé, rien à redire. Un circuit qui m'a pas trop fait chier. À part bon, c'est long, hein. Certes, 50 cm cube, c'est long. Bon, quand on atteindra le 100, vous allez voir, on verra la différence. Et le 150 encore plus, il y a 200. N'en parlons pas. Mais j'aurais bien aimé un 300 cm cube. Voire un 250 déjà. Un 250 puis un 300. J'aurais vraiment bien aimé. Parce que réellement, ça mérite. Hein. Ça mérite. Waouh. L'animation. Oh là. Pile au moment. Vous avez vu, pile au moment sur la ligne d'item quoi. Ah, c'était lui qui m'avait balancé une carapace pour le jeu.
Et voilà, premier de partout, Stade Mario, Royaume Sorbet, Piste Musicale et Vallée de Yoshi. On a fini la coupe feuille en 57 m3. Donc c'est fait. On a les 3 étoiles. C'est parfait, on peut pas rêver mieux. Donc la prochaine fois, on s'attaquera à la suite. Et les 3 étoiles. Donc on va voir. Vous avez ramassé 240 pièces. Un nouvel élément de personnalisation de véhicule est disponible. Donc la prochaine fois, on s'attaquera à une course que vous verrez. Donc on a déjà fait la moitié maintenant des courses du jeu. Donc c'est quand même assez fou. Je vais vous dire la prochaine fois, on se fera quand. On se fera quoi. En même temps, on va pouvoir voir la personnalisation du véhicule. Ok, c'est dans les cas. Oh, le destrier de légende, c'est celui-là que je voulais. Ah ben, oh là là. Alors là, les amis, je le prends, garantie. Voilà, donc la prochaine fois, on fera la coupe spéciale avec la voix céleste, des arts tout sec. Tout sec, vous avez compris la différence, enfin le jeu de mots. Château de Bowser et la route arc-en-ciel. Donc ça va être très bien, ça va être très beau. En 50 cm cube, c'est bien, on a fait la moitié maintenant du 50 cm cube. Donc écoutez, on va directement donc s'attaquer à contre la montre. Voilà. Donc on prend les personnages adéquats. Hein, vous connaissiez. Alors, au cas où, Destrier de légende, on va le tester. Vous savez quoi, on va le tester, on a le temps. Alors, où je m'étais arrêté, j'en ai aucune idée. Ok, donc j'avais déjà fait le fantôme ici. J'avais déjà fait le fantôme ici. Donc normalement, Cercle Mario. Ok, Cercle Mario. Donc on va faire le 150 cm cube comme d'habitude. Et après on fera le 200 cm cube. Donc on va voir comment il est maniable. Voir pour s'entraîner un tout petit peu. Et puis après. On fera la vraie course. Là, vraiment, cette course-là n'est pas pour but de gagner. Hein. C'est juste pour but de tester le véhicule. Ok, alors là, c'est vraiment une bécane Bowser. C'est le même truc que la bécane Bowser. Alors, attendez. Il peut passer devant, j'en ai rien à foutre. Attendez. Oh putain. Alors, attendez. Tac. Ok, d'accord, j'ai compris. Tac. Ensuite, on fait ça. D'accord, j'ai compris comment le manier. On saute à droite. Oh putain, non. Alors, attendez. De toute façon, il faut y arriver. Là, c'est pour aller à gauche. Donc, par exemple, là, on va tourner à gauche. Parfait. Il faut pas directement tourner, en fait. Parce que directement tourner, c'est la mort. Voilà. Parfait. Bon, bah, en fait, c'est bon. Je pense avoir capté. Bon, là, ça va pas être possible de le faire avec ça. Parce que là, je me suis pas assez entraîné. Mais en tout cas, je pense que ça a l'air correct. On prend large. Et puis, on va pouvoir bien terminer. Parfait. Et si on prend court, on peut prendre court. D'accord, donc en fait, j'ai compris en fait. C'est pas un véhicule hyper difficile en fait. Je croyais que ça allait être un véhicule assez galère, mais là, pas du tout. Bon, c'est un peu galère, si. Mais bon, écoutez, on va changer de carte et tout, et puis on va faire la vraie course pour essayer de gagner. Hop, on va essayer de gagner. Donc, changer de pilote. Parce que là, avec une moto, ça va être horrible. Pour le moment, je me suis vraiment pas assez entraîné à la moto. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est pour ça que les contre-la-montre, je vais beaucoup m'y mettre. Et je pense que même, je vais gagner après des trucs. Mais parce que j'essaierai de copier mes données sur un autre utilisateur. Comme ça, moi, je peux, par exemple, à contre-la-montre, essayer au maximum. Ah non, mais j'ai déjà une autre sauvegarde. Qu'est-ce que je dis? J'ai une autre sauvegarde, bah oui, j'ai une autre sauvegarde. Donc on va prendre tout ce qu'il faut. Alors, destrier de légende, donc non, on va prendre juste le véhicule adéquat, donc celui-là, pour gagner un max de vitesse. C'est la vitesse la plus importante. Donc écoutez, on va faire le circuit Mario en 150 cm3, on va défier le fantôme. Donc écoutez, on y va. Après, si vous voulez, on peut peut-être faire un épisode spécial où on manie le véhicule. Par exemple, en faisant plein de courses contre la montre, ou même avec des bots, si vous voulez, en course VS. Hein, on en fait, par exemple, on se fixe 5 ou 6... 5 ou 6... comment ça s'appelle 5 ou 6... merde. Je vais y arriver. 5 ou 6... bots. Enfin, 5 ou 6... qu'est-ce que je dis 5 ou 6 circuits. Et donc, voilà, quoi.
Alors 150 cm cubes, ça entraîne trop. Après, je suis quelqu'un qui a l'habitude du 200 parce que dès que je joue en ligne, je joue énormément à 200 cm cubes, donc. Putain, j'aurais pu passer à droite, mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide ici. Allez hop, on accélère. Bon, j'ai toujours mes 3 champignons que j'utiliserai à la fin. Parce que je préfère les utiliser au dernier round parce que lui, je sens qu'il va me... Parce que vous avez... En fait, il les utilise. Et ça se voit quand il les utilise parce qu'il gagne une avance énorme quand il les utilise. Donc là, je pense que je suis toujours à 2 secondes. Ouais, 2 secondes, je pense. Vous avez vu, il a encore utilisé son champignon. Une seconde. Ok, 166 millième. Donc là, on donne tout. Tac. Là, on va en utiliser un autre, je pense. Bon, pas pour le moment. Ah merde, merde. Ah merde, 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 les amis. Putain, non. Il va me doubler à la fin. Il va me doubler à la fin. Il va utiliser son champignon, je crois. L'enculé. Non, putain. Oh con, j'aurais jamais dû. En fait, si je ne me serais pas tapé l'arbre, j'aurais gagné. Oh putain. Oh le coup de l'arbre là. En fait, je sais pas où je pourrais le prendre comme il faut, quoi. Ça me fait chier, je sais pas où je pourrais le prendre comme il faut. Bon, on essaye. Hein. En fait, déjà, de base, il faut avoir les 10 pièces. Une fois qu'on a les 10 pièces, après, on est calé. Parce que, dites-vous, quand on a les 10 pièces, on a la vitesse de pointe un petit peu plus élevée. Voilà. Parce que le bot, il récupère les 10 pièces. Donc, c'est pour ça que des fois, il a une vitesse un petit peu plus abusée. Je récupère les 10 pièces, c'est hyper important. Donc là, je récupérerai après parce que eux, ils sont pas trop sur mon chemin. Donc là, ouh, j'étais même plus rapide que tout à l'heure. Ok, donc ça me fait toujours 9 secondes. Enfin, 9 secondes, 9 pièces, pardon. Hop, et voilà, je récupère ces pièces-là. J'espère que là, je me foirerai pas en dernier parce que là, ça me ferait chier. Hop. Donc là, on va essayer. On se garantit rien. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Il faut pas traîner. Et là, on utilise tout à la fin. Putain. Défaite. Oh putain, quoi. Je me serais pas mangé les pneus, j'aurais gagné, quoi. En fait, les pneus, ça m'a perturbé. Oh, lol. Regardez les millièmes de seconde. Non, mais non. Non, pas ce fantôme. On essaye. Bah oui, attends. Attendez. Oh, mais c'est facile. On peut le battre. C'est bon, j'ai compris comment le prendre. On peut le battre. Donc, normalement, là, c'est la bonne. Le truc en 150 cm cubes, ça traîne trop, quoi. Et 1 minute 44, c'est les plus longues de ma vie. Donc là, j'ai totalement foiré le truc, donc c'est même pas la peine d'y penser. Mais le truc, il les utilise, ces 3 champignons, mais il les utilise d'une façon trop bizarre. On dirait que le mec, il en a même pas droit. C'est ça qui me surprend. Parce qu'on dirait que le mec, il en a pas du tout droit, en fait. Parce que des fois, il me rattrape. C'est d'une violence, vous pouvez pas l'imaginer. Et ça, c'est même plus que 2-3 fois. Donc c'est pour ça que, alors que je fais pas d'erreur de pilotage. Donc là, il va me rattraper. Regardez bien. Sur la carte. Enfin, il va me rattraper. Bah là, j'ai fait moins bien que tout à l'heure. Donc là, j'ai pas intérêt de me foirer. Après, je sais pas si lui il utilise tout à la fin, parce que peut-être lui il utilise aussi tout à la fin.
Peut-être si quand il me rattrape, c'est juste un genre d'effet d'optique, on va dire. 5. Bon. Ça me fait un total de 2 secondes 770 millièmes de seconde. Donc là, j'espère à tout prix et de tout cœur de réussir à prendre le raccourci parce que ça me ferait vraiment chier. Hep. On essaye. Normalement, alors, pile là, parfait. Et parfait. Alors là, j'ai été nickel. Et là, normalement, je gagne la course. Et en 200 cm3, on va pouvoir faire un truc un petit peu plus beau. Et vous allez voir. Yes! Enfin! Et là, on l'a fini de 3 secondes. Je vous avais dit, celle-là, c'était la bonne. Je le sens quand c'est la bonne. Yeah! Ah, ça fait plaisir. Bah oui, on va envoyer ce par contre sur 30 ans au serveur. Ça, il enregistre. Eh ben putain! On va directement changer de. Non, changer de circuit. Et on va cette fois-ci le refaire en 200 cm3. Donc ça fait déjà 31 minutes, mec, les mecs qu'on est. Enfin, les mecs et les filles, hein, bien entendu. Donc on est. Sur la vidéo. 1 minute 10. Sincèrement? Ah, mais 34 secondes de moins quand même. 24. Non, 34. Alors là, les champignons, je sais pas du tout où les utiliser. Allez, hop, on avance, on avance. Tiens, il a utilisé son champignon. Et il utilise son deuxième champignon? Il a utilisé combien? Oh, putain, ça va être horrible à rattraper. Ah putain, ça va être. Je sais pas, je connais pas les. Je peux pas. Enfin, je le connais pas. Enfin, avec les. Contre la montre, les raccourcis qu'il a ici. Parce que c'est bien gentil, regardez, mais regardez. Vous avez vu? Je vais dans le truc. Après, peut-être il faut que je choisisse une moto. Et peut-être le truc d'Ilienne me servira énormément. Et le truc, j'arrive pas du tout à la manipuler. Vous avez vu? On peut pas. On peut pas. Faire ce virage est impossible. Vous êtes bien d'accord avec moi, non? Regardez, on fait ce virage. Putain, il faut le faire bien comme il faut, quoi. Et putain, et comment il arrive à prendre une avance abusée, lui? Alors là, j'ai utilisé mes 3 champignons à la mode bourrin. Alors là, il va me doubler, mais en folie, vous allez voir. Regardez, regardez comme il se rapproche. Mais je rêve, il va plus vite que moi. Il va beaucoup plus vite que moi? What? Il récupère les 10 pièces d'un coup? Alors là, ça va être putain de galère. Alors là, ça va être autant touchant que la prairie même là. Parce que là, je sais pas du tout où ils utilisent ces trucs. Et là. Et là, je fais ça. Est-ce que. Non, je pense pas qu'il faut. Je vais pas sauter en fait. Peut-être ici il faudrait pas sauter. Enfin, il faudrait pas faire la figure. On teste des tactiques. Oh ouais, ouais, nickel, putain quoi. Oh mais ça va être impossible ici. Ah, il faut que je voie des vidéos, hein. Là où il prend les raccourcis le sans essai là. Parce que je sais qu'il y a une chaîne YouTube que je me suis déjà abonné sur les records du monde de Mario Kart 8 sur les circuits. Alors là, rien à foutre. Voilà. On se calme. C'est normal qu'on va pas le circuit par contre. Allô? On voit pas le circuit? Oh putain, genre.
Ah, plus, il m'a doublé encore. Mais vous avez vu comme il me double? Je comprends pas. Est-ce qu'il utilise ses champignons ou. Parce que mes champignons, je sais pas du tout où les utiliser. Ça me pose souci parce que. Parce que là, vous êtes bien d'accord que là, je vais tourner quand même à l'aide mentale. Donc, si je l'utilise maintenant, c'est un peu la mort. Là, je vais faire ça. Donc, si je l'utilise aussi, c'est un peu la mort. Et où il faut les utiliser si je compte champignons? Vous pensez qu'il faut les utiliser? Je sais. Il les utilise. Je sais où il les utilise. Il les utilise vers les pneus. Mais en fait, dans ma tête, les pneus, c'est des obstacles. Donc, en fait, dans ma tête, je me dis que ben, si je. Évidemment, je vais en direction des pneus, ben, je vais tout simplement me prendre les pneus et m'arrêter net, quoi. Mais pas du tout, en fait. Ok, alors là. En fait, oui, dans ma tête, c'est ça, en fait. Donc, en fait, sur le moment, vu que je suis à l'action dans ma tête, ben, je me dis, ah, c'est l'obstacle, je peux pas. Par exemple. Il y a que après que je l'ai passé, que dans ma tête, je me dis, ah, c'est bon, on peut. Normalement. Vous pouvez, merde, vous savez. Donc, enfin, vous comprendriez. Allez! Ah, attendez, mais c'est quoi ce bordel? J'arrive même plus à tourner là. J'arrive plus à prendre ce virage. Oh là là, je vous dis, en 200cc, ça va être une calamité. Voilà. On va mieux le prendre. Oh mais non, mais c'est une blague. Oh, c'est une blague. Putain, il est 36 minutes, quoi. Ah là, je suis beaucoup plus proche que lui, là. Alors là, on fait attention, on fait pas la figure de malade mental, parce que sinon... Alors, on n'oublie pas que les pneus, on peut y passer. Là, j'oublie pas. Là, j'oublie pas qu'on peut passer directement comme ça. Mais c'est horrible à passer. Je vais dans le truc. Quand je tourne, je vais dans le truc. Attendez. C'est quoi ce bordel? Ah, putain. C'est chiant que à peine tu frôles le sable, c'est bon. Ça t'arrête le dérapage, quoi. Ça, c'est un truc qui est chiant, par contre. Parce que dans la vraie vie, dès que tu te prends un caillou alors que tu fais un dérapage, désolé, tu freines pas, quoi. Bon, du sable, j'ai jamais testé, mais au moins... Mais dans la vraie vie, quand tu fais un dérapage, que tu le fasses sur du gravier, tu freines pas. Bon, c'est un peu n'importe quoi, là. Allez, hop. Cette fois-ci, on essaie de pas frôler le truc. Ah, yes. Allez. On a le monopole. Je sais pas combien de champignons il a utilisé. Je pense qu'il en a utilisé deux. Donc, on a largement le temps. Là, il faut pas faire d'erreur de pilotage. Là, c'est hyper important. Parce que là, je sais pas combien il en a utilisé deux champignons. C'est ça qui me fait chier. Parce que j'ai l'impression qu'il a... Il est inutile. Ah putain, c'est chiant. Mais attendez, comment il arrive à aller aussi vite et à prendre les 10 pièces en même temps? Réellement. Comment il arrive? Je sais pas, moi. Je sais pas. Dans ma tête, je vais essayer de me focaliser sur les 10 pièces, déjà. Bah, le mec, arrive, en fait, il te prend les deux pièces comme ça, quoi. Oh, d'accord, le mec, il passe par en haut pour prendre les 3 pièces. Donc, en fait, le gars, il prend 2 pièces plus 3 pièces en haut. D'accord, déjà, on va suivre son chemin. Vous savez quoi, la vidéo pourra durer une heure, j'en ai rien à foutre. Attendez. Le mec, comment il y arrive? Putain, mais... Je peux pas aller prendre les deux pièces. Oh putain, ça va me faire rager, je vous dis que là... Là, il va y avoir des insultes qui vont y passer. Putain, j'aime pas quand le jeu me fait prendre pour un con comme ça. Putain, mais vous êtes sérieux? On peut pas. On prend les 3 pièces. Comment le gars arrive à prendre les 3 pièces? Moi, je fonce dans le truc. Et même en appuyant sur le freinage, je fonce quand même dans le truc. C'est pas possible. Putain.
Putain, quoi. Là, je suis obligé de freiner. Je vous dis, là, je... Il freine, ce con, quoi. Et il a compris l'astuce, quand même. Tu sais quoi, je vais le suivre. On va voir son chemin, lui. Parce qu'il a l'air de s'y connaître mieux, hein. Donc là, à tous les coups, il va prendre les pièces qui sont là, à tous les coups, hein. Putain, mais je le connais. Oh là là, putain, cette pierre qu'horrible. J'arrive à le suivre, mais j'arrive pas à le dépasser. Non mais là, j'ai une seconde, c'est mort. C'est littéralement mort. Hein. Non mais là, c'est mort. Hein. Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas comment il arrive à me dépasser autant. Et il faudrait peut-être que je me fixe un chemin pour les 10 pièces. Déjà. Donc là, déjà, j'en prends une. J'ai dit que j'en prenais une. Parce qu'en fait, les 10 pièces, ça me permet évidemment d'avoir la vitesse de pointe un petit peu plus élevée. Donc c'est ça qui profite ce compte développeur là. Hop. On en prend une. On va se fixer notre propre chemin. 2. Oh, mais le genre. Mais genre. Oh putain, ce cercle. Je vous dis que là, je vais arrêter la vidéo. Ça va être vite fait. Là, sinon, là, je vais vous dire que les insultes vont vraiment vite y passer, hein. Et ça va pas être des gens, ça va pas être des jolis mots, hein, qui vont passer, qui vont sortir de ma bouche. Hein. Oh, putain. Putain, il me suit, quoi. Regardez comme il va vite. Putain, quoi, il arrive à récupérer les 10... Il a... Comment il récupère donc 10 pièces? Alors, il va plus vite que moi. Et moi, j'ai la voiture la plus boostée en vitesse. Enfin, je pense pas qu'on puisse arriver encore un petit peu plus au-dessus en vitesse, non? C'est peut-être moi qui me trompe, mais... Putain, quoi, ça me fait rager à chaque fois, quoi. Alors là, j'en ai rien à foutre. On utilise... Vous avez vu, il me suit à la trace. Attendez, je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un moment où on peut skip en 200 cm3 et on peut arriver à faire un truc beau ou... Parce que, en gros, est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas faire ça. Putain, j'ai encore loupé la pièce, quoi. Mais putain, fais chier. Putain, quoi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Regardez, regardez comment il arrive à prendre une avance. Il m'a déjà mis une seconde, alors que je viens à peine de démarrer. Et putain, j'ai mis cette putain de pièce. Donc, je vais vous mettre un message pour dire skipper la vidéo si vous voulez passer ce désastre. Alors là, j'en ai rien à foutre. Je vais carrément le suivre. En fait, il faut prendre très serré, quoi. Ce con de botte de merde, quoi. Vous savez quoi? Putain, mais non, mais non, mais putain, mais pourquoi? Fais chier. Et en plus, je fais des erreurs de pilotage. Ça, je vous jure que là, le jeu, j'ai juste envie de le prendre et le défoncer de sa race.
Putain, mais le gars, il te fait un double boost alors que... Ok, j'ai loupé une pièce. Et vous êtes... on peut pas le faire. Vous êtes bien au courant, on peut pas. Attendez, attendez, attendez. On va tenter un truc. On va tenter. J'ai bien dit on va. Bon, c'est peut-être pas sûr que ça marche. Je vais essayer de voir si avec le tremplin, on peut pas carrément skip le truc. Donc au lieu de prendre un champignon pour skip le truc, en fait, ça va me faire, ça va me gagner deux fois plus de temps. Parce qu'en gros, je vais prendre deux raccourcis au lieu d'un. Donc là, je vais essayer de le faire. Donc là, je m'en fous si je me foire. Je m'en fous, là, c'est juste pour tester. Alors là, on teste. On prend le petit raccourci. Évidemment, je me foire, donc j'en ai rien à foutre, je reviens en arrière. Par exemple, j'aurais déjà pris, j'aurais déjà eu le truc. Est-ce qu'il est possible de faire ça? Non, il est pas possible. Enfin, il est possible, mais il me fait tomber du mauvais côté ce con de truc. Est-ce qu'il est possible de voir le fantôme? Je sais pas s'il est possible de voir le fantôme. Je crois qu'il faut l'avoir battu pour réussir à le voir. C'est ça qui est chiant. En fait, il faut trouver une propre stratégie. Et ça, ça va être chiant parce que... Comment voulez-vous? Là, il n'y a pas le choix. Je peux pas faire mieux. Putain. Je vous jure que là, le jeu, il commence à me gaver. Je vous jure que là, le jeu, il commence à me gaver. Je sais bien, la vidéo vient de me prendre, je vais vous dire, 30 Géo. La vidéo, hein. 30 putains de Géo. Putain, quoi. C'est quoi? Comment? Mais. Comment veux-tu? Ok, il arrive à te prendre les deux pièces là en plus. Il fait pour prendre les deux pièces sans freiner. Le mec, il freine pas. Il freine pas, le mec. Il freine pas. Comment veux-tu le prendre s'il freine quand on. Quand il freine pas. Là, j'ai récupéré les deux. J'ai récupéré les trois qui sont là. Et moi, je freine comme. C'est pas grave, je viens de récupérer 8 parce que je vais... En fait, je pense qu'il faut... Non, mais non. En fait, il faut peut-être avoir les 10 du premier tour. Lui, il a les 10, je crois, à partir du deuxième tour. Allez. Oh, mais non, on fait chier. Parce qu'on pourrait prendre l'autre, par exemple, l'autre rang de pièces, il y en a 3. Mais le truc, il est aussi, il est encore plus hard. Mais vraiment, il est voire impossible à prendre, quoi. Il y a que du TAS qui pourra le prendre. Et encore, même je me demande si le TAS... Au moins, je mettrais au défi le TAS de... Ah non, ouais. Je mettrais au défi le TAS de savoir s'il arrive à le prendre. Déjà, on va prendre mal. On va essayer sur... Oh, putain. J'ai dit qu'il ne faut pas faire la figure. Et qu'est-ce que je fais après? Je fais la figure, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Eh oui, sinon, c'est pas drôle. Mais marrant à la vie. Oh putain, fais chier hein. Moi je vous dis, fais chier. Alors là, c'est parfait. Putain, c'est incroyable comme je m'écoute pas. C'est incroyable quand je ne m'écoute pas. Oh oui, bien. Oh putain, fichier. Je veux pas dire, mais le nuage, il ressemble vraiment à un truc que je ne dirais pas.
Évidemment, j'arrive trop vite, et alors que le gars, lui, il y va tranquillement, il a même pas besoin de freiner, limite. Vas-y, récupère, vas-y, le pognon, on s'en fout, la YouTube money, c'est ce qui compte. Putain, quoi, fait chier, hein. Je vous dis, il fait chier, là. Putain, attendez, ça fait déjà 30 minutes qu'on y passe, ici. Putain, il me frôle au cul, quoi. Il me colle au cul, quoi. Et pourquoi? Vous avez vu? Un millimètre dans le sable. Un millimètre. Putain, dans la vraie vie, un millimètre, c'est pas comme ça, quoi. Désolé, attendez. Oh. Oh, nickel, j'ai loupé un, hein, vas-y. Enculé, là. C'est bien, ça fait 50 minutes de vidéo. 50 minutes. Putain, quoi. Je vais me transformer en Hooper, ça va être vite fait, moi. C'est moi qui vous le dis. Oh, ouais, vas-y, va carrément dans l'espace si tu veux. Va rejoindre Buzz l'éclair. Putain. Merde, quoi. C'est pas dans la bonne série, ça, merde. Alors là, tu ne la feras pas, toi. Alors là. Putain, et je m'écoute pas. C'est incroyable. Je ne m'écoute pas. C'est affligeant. Je vous dis, je me fatigue même moi-même. J'arrive à me fatiguer moi-même quand même. Je sais pas si vous vous rendez à compte à un point de degré où je suis arrivé quand même. Pff, vas-y, va enculer. Tiens, heureusement je monétise pas mes vidéos parce que là je me suis fait neutraliser sur le champ. Avec toutes les insultes que j'ai dit là, je pense que je me serais fait défoncer l'anus, quoi, en termes de monétisation là, réellement. Allez. Ah putain, évidemment je loupe 3 pièces, enfin 2 pièces. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, j'allais dire. Oh, what? Genre. Oh là là, et là je vais pouvoir prendre les deux. Putain, mais comment il arrive à prendre une avance comme ça, lui? Putain, mais comment il arrive à prendre une avance comme ça? Vous pouvez m'expliquer ça? C'est pas possible! Il y a un code cheat dans le jeu. Il a mis un code cheat, c'est pas possible. Là, je suis désolé, mais j'accuse de tricherie, là, le bot. Hein. Nintendo Pit, je t'accuse vraiment de tricherie. Hein. Attendez. Oh. Ah, vas-y, mais... Je vais devenir... Je vous jure que là, je vais péter un câble. Là, je me retiens. Je savais pas à quel point je me retiens. Il est 1h02 du matin et je suis en train de jouer alors que j'aurais pu directement enchaîner sur une putain de vidéo autre et largement plus travailler de celle-ci, mais non. Vraiment, c'est... D'accord? Putain, j'étais bien parti. Putain. Putain, j'étais bien parti. Putain.
J'étais bien parti, quoi. Putain. Putain, quoi. Alors là, les gens, si vous voulez faire un best-of, là, vous avez... Là, vous avez la vidéo entière. Putain, quoi. Merde. Ah, vas-y. Putain, c'est pour ça que je veux plus filmer de vidéos ce jour. Ça donne même plus envie de filmer, quoi. Ça donne même plus envie de tourner de vidéo, quoi. Ah, vas-y, enculé, là. J'étais bien parti, pourtant. Putain, ça c'est me tue, quoi. Oh, ouais. Alors là, j'ai pris le même chemin. Là, le gars, il était dans moi, alors que lui, il a eu la pièce, alors que moi, j'ai un véhicule, putain, comprendre, c'est... Putain, mais c'est impossible ici, mais c'est impossible, bordel de merde. Putain, maintenant ça va être le matériel, quoi, qui va partir. Oh, vas-y. Oui, si tu veux, vas-y, tombe dans l'herbe. Vas-y, tombe la pluie, si tu veux. Ah, vas-y, fais la tondeuse Honda, on te dira rien. Et pourquoi, d'où il arrive à prendre cette putain d'avance? Comment il arrive à prendre cette putain d'avance? Oh là là là, c'est la mort. Comment il arrive à prendre cette avance? Alors comment, à part si je le fais à deux, je suis mort. C'est pas possible, il a pris un véhicule trop cheaté. Alors là, ça s'appelle un fail encore. Ça s'appelle un autre fail. Donc là, j'ai pas le choix de recommencer. Putain. Allez, putain. Mais c'est chiant ça de recommencer, putain, un jeu est censé pour prendre du plaisir et non de s'emmerder là. Putain, quoi. Putain, on dirait Dark Souls 3 là maintenant, ça se transforme. Alors vas-y, passe ce truc, tu verras. Oh putain, ça commence à me gonfler là, je vois qui voulait dire. J'en fous, je recommencerai infiniment s'il faut. Évidemment, je passe à travers les pièces, hein. Ça aurait été trop demandé d'en prendre minimum une. Là, je suis un peu dans la merde. Putain, j'arriverai pas. Mais genre, regardez comment il arrive à me dépasser. Putain, j'ai les 10 pièces, quoi. Il arrive à me dépasser, le gars, mais violemment, quoi. Comment il arrive à faire ça, quoi?
J'ai les 10 pièces. J'ai les 10 pièces. Il peut pas me dépasser normalement. J'ai les 10 pièces. Il peut pas me dépasser. J'ai pas fait d'erreur de pilotage. J'ai tout pris serré. J'ai tout pris serré. Oh, vas-y. Pourquoi tu prends là-bas, toi? Et c'est là, c'est de l'anti, là c'est de l'anti-jeu là. Là c'est de l'anti-jeu. Genre comment il arrive, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il a pu me dépasser comme ça? Il m'a mis une seconde d'avance. Comment il peut me mettre une seconde ici? Allez comprendre. Putain, je vous jure que là j'en peux plus. Que ça soit moralement, psychologiquement, les yeux, tout. Les mains et tout. Alors là, c'est parfait. Je ne loupe pas la putain des pièces de toi. Je ne loupe pas ces pièces, c'est hyper important. On prend serré, comme d'habitude. Et dans... Donc là, on prend serré comme jamais. Ça fait toujours 9 pièces. Donc là, on prend et on fait double combo. Et il arrive quand même à me dépasser parce que j'ai pris un bout du sable. Putain, j'en peux plus. Et là, il me faut obligatoirement réussir à faire les deux turbos en fait. Parce qu'en fait, si je fais pas les deux turbos, il me dépasse. Le gars, en fait, il arrive à faire deux turbos. Allez, comment, ni pourquoi. Comment, pas enfin, pourquoi, je sais, mais comment. Oh là, non, là c'est de la merde parce que c'est comme si j'avais pris les deux pièces de devant. Si je passe par en haut, c'est obligatoirement trois pièces. Ah, putain, j'en peux plus, ça fait 1h03 de vidéo. Bien, je vais avoir plus de place dans mon ordinateur, c'est bien ça. Et voilà, encore je me suis pris dans ce putain de sable de merde qui gâche la course. Voilà, c'est bien. Oh putain, mais pourquoi ça me fait un mauvais départ comme ça? Vas-y, utilise tes champignons si tu veux. Ah putain.
Putain, je commence à avoir plus de pouces. Bon, je crois que ça va être dans un autre essai, ça. Oh putain. Là, des insultes vont tomber. Oh, mais pourquoi il fait un tout petit départ? Pourquoi? Et puis ce con de casque, il veut pas se mettre comme il faut. Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer de me fixer. Je vais essayer de pas ramasser des pièces. Voilà. Je vais vous dire, je vais me fixer, comment ça s'appelle, la ligne d'arrivée. En gros, je vais pas ramasser de pièces. Vraiment, je vais jouer de la manière comme si on jouait normalement. Je vais pas ramasser de pièces, vous savez quoi? Oh putain, j'en peux plus. À 1h30 de vidéo. Si je vois que j'y arrive pas, pour la première fois, j'abandonnerai. Je vous le dis clairement, parce que là, je vais pas passer non plus ma vie non plus. Hein. J'ai d'autres préoccupations. Oh putain! Ça fait chier ça! Genre, je récupère la première pièce, mais la deuxième pièce, il me la voit balvanguer quoi. Oh putain! Alors, allez, va comprendre comment il arrive à prendre ce virage. Le gars, il te prend ses virages, tu peux pas le prendre normalement. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Il te prend ce virage comme ça. Le gars, il te prend un virage avec sa moto comme ça, enfin hyper serré. Et il arrive à se redresser, à avoir récupéré en plus les deux pièces au calme. Alors ça, c'est pas possible. Moi, je suis obligé de freiner. Putain, je comprends pas. Vous savez quoi? Je vais changer de pilote. Je vais vous dire une chose. Je vais voir si avec une moto, alors que ça va être pire, que ça va être horrible. Si j'y arrive. Non, peut-être avec la F0. On va voir. Mais il faut prendre un véhicule avec beaucoup de... Je sais pas, moi, beaucoup de... Non, on va prendre le F0, vous savez quoi. Ah putain, j'ai pas envie de sélectionner ça. En plus, c'est l'F0 que je veux sélectionner, pas ça. On va essayer avec ce circuit. Enfin, avec ce personnage. Enfin, avec ce véhicule, tu veux dire. Parce que là, je vous dis, là, je commence à vraiment perdre espoir. Et je sais même pas si je vais y arriver un jour. Je vous le dis clairement, je sais pas si je vais y arriver un jour. Parce que c'est tellement aléatoire.
Oh putain, je suis plus fort en genre de dérapage dans l'herbe. C'était trop bizarre ce que j'ai fait. Oh. Putain, la vidéo commence à être trop longue, à trop durer. En fait, je peux pas prendre le virage. Parce que si il me prend le virage, le véhicule va benvenger là. Enfin, je sais pas comment on le dit, mais bon. Oh putain. Alors là, c'est parfait. Regardez. C'est bizarre comment je le prends, non? Bon, en fait, c'est bon. J'ai pu réussir. De toute façon. L'enculé, il me suit, quoi. Le FDP me suit. Alors là c'est la mort. Là c'est la mort quoi. C'est la mort. Je sais pas comment il y arrive. Je sais pas. Les motos j'arrive pas du tout. Je sais pas. Et là, je passe à côté de la pièce alors que je suis. Et là, je. Oh, oh. Alors, ça, vous voyez, ça, c'est la malhonnêteté de Nintendo. Qui viennent de me faire louper ces trois pièces. C'est incroyable, Nintendo. Putain, vous auriez pu me les accorder. Hein. Réellement. Putain, qu'ils me font passer entre les pièces, quoi. J'en reviens pas, quoi. Voilà. Ouah, cette pièce, magnifique, putain, quoi. Oh putain, comme c'est galère! C'est horrible, c'est tellement galère! Mais j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite que lui. Parce qu'à partir du virage, regardez, je vais vous montrer. Ok, d'accord, alors, pas comme ça. À partir du premier tremplin, vous voyez le petit tremplin qui mène sur le long U. Oh putain! Là, je viens de toquer ma table. Pour vous dire. Oh, alors là, ça, c'est pas du foutage de gueule. C'est pas du foutage de gueule. Voilà, à partir d'ici, je trouve que j'arrive quand même un petit peu à la rattraper. Alors que tout à l'heure, non, pas du tout.
Oh oui, magnifique. Je loupe les trois pièces en beauté là. Et là, évidemment, je me mange la flaque d'huile. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle, bien entendu, les amis. Hein, sinon, pourquoi pas, après tout. Hein, pourquoi pas. C'est trop de me demander de me faire passer à côté. Et là, je loupe toutes les pièces du jeu, mais toutes les pièces du jeu. Bref, écoutez, c'est pas grave. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Encore dans 15 minutes, on teste et puis après si j'arrive pas, ben j'abandonnerai. Hein. Et on essaiera la prochaine fois. Écoutez, on va pas perdre de temps là-dessus. Hein. Enfin, on va pas perdre de temps. J'adore 20 minutes de vidéo. Là, j'aurais fait 1 heure et 10 minutes de putain de trucs de merde. Sarah, ça. Je suis désolé les amis, si je suis vulgaire là, je suis désolé mais comprenez-moi quand même. Hein. Attendez, regardez, regardez, vous avez vu? Ça, c'est la manette de Nintendo aussi, vous avez vu? Attendez, quoi? Et je soupçonne le gars de cheat, hein. C'est pas normal ce qu'il fait quand même. Hein. Genre, il arrive à me rattraper alors que il utilise même pas de champignons le type. Va te faire foutre, juste, tu vois, va bien te faire enculer. Putain, quoi. Oh, putain. On se détend, on se détend. On n'a pas besoin de péter un câble. On n'a pas besoin de péter un câble. On n'a pas besoin de péter un câble. D'accord? Bon. J'adore ma vie. Bonjour, je suis Olivier de Kergnas. La réparation, ça ne vous coûte rien. Mais pourquoi j'appuie quand je suis au milieu du jeu. Putain, merde, quoi. Là, je vais couper. Me fais pas passer. Vous avez vu, ils me font passer entre les pièces. Ça c'est vraiment horrible. C'est au milieu du 2. Oui, putain de merde. Oui, putain de bordel de merde. Oui. Putain, je suis désolé, je vais essuyer dans les oreilles là. Putain. Fucking game. Fucking game. Fucking game.
fucking game, et je vous fais un doigt, et je vous fais, pas vous, hein, pas vous, mais je vous fais des doigts, là, hein, toi, con de développeur de merde, je te fais deux doigts, là, oh, putain de merde, oh. Oh putain, je vous jure, je vais pleurer là. Je suis arrivé à un point là, je suis à bout. Oh, je vous jure, je vais pleurer. Oh putain, quoi. En fait, je vais vous dire une chose. J'ai compris une chose. En fait, il y a un, vous voyez le circuit, le virage des trois pièces. J'ai pris les trois pièces, mais d'une violence où vous ne pourriez même pas l'imaginer. Vous avez ramassé 270 pièces, un nouvel élément de personnalisation de véhicule est disponible. On va aller le voir. Écoutez, on a ça à faire de toute façon, hein. Et donc, en fait, dans le rangé des trois pièces, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le récupérer sans m'arrêter. Et donc, en gros, je me serais arrêté, mais il m'aurait brillé. En fait, ici, il fallait pas s'arrêter. C'est ce que j'ai compris sur le tard. Par aussi. Par. Oula, paracoccinelli. D'accord. Bah, vu le nombre de pièces qu'on a passé. Vous avez ramassé 300 pièces, un nouvel élément de personnalisation du véhicule est disponible. Ok. Ok. Bon. Oh putain, la télé qui va s'éteindre dans 5 minutes. Classique rouge. Ouais. On avance. Encore, je présume. Vous avez... Non, pas du tout. Ah, bah, je m'y attendais. Bon, ben, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Je sais qu'on a passé énormément de temps à faire ce circuit de merde. J'espère que ça vous aura plu. Putain, mes stats, c'est abusé. On se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. Et encore désolé pour la... Pour je vous dis la patience que vous avez dû avoir pour cet épisode si vous avez, l'avez regardé jusqu'au bout. Hein, je vous dis, hein, je vous en remercie de cette patience. Hein, moi j'allais péter un câble. Au cas où je me serais fail à la fin, j'aurais arrêté l'épisode. Je vous dis, j'aurais arrêté l'épisode et j'aurais insulté. Vraiment, je vous dis, j'aurais insulté le jeu, mais comme vous le comme personne d'autre youtubeur n'a insulté le jeu, je vous dis clairement. On est enfin réussi. Oh putain. Ça m'a vraiment, je vous dis, ça m'a tué. Bon, les amis, vraiment, je vous remercie de l'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et peace.